Bora aprender mais? Mais um vídeo aí para você. Nesse vídeo, nós vamos ter 3 conversas diferentes para ajudar você aí que está aprendendo o francês. Então, quero pedir você com muita humildade aí que não pule o vídeo. Vai ser importante para você aí. A primeira conversa, nós vamos falar da sétima arte. E a segunda conversa, procurando um emprego. E a última conversa aí, minhas férias. Pessoal, eu quero pedir você com muita humildade que curta, compartilhe. Opa, o joinha é muito importante para o crescimento do canal. E também você não deve esquecer de acionar o sininho aí. Quando nós colocarmos conteúdos novos aqui, você será notificado. Então, bora pro vídeo e eu te aguardo aí do outro lado. Le septième art. La France possède une longue tradition cinématographique et le septième art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont 2 et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Et les metteurs en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix de films est énorme. Comédie, aventure, policier, dessin animé, film noir, et des nouveautés sortent chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures, qu'on peut voir en version originale, ou en version française, c'est-à-dire doublée. 2 rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes avec sa Palme d'Or et la remise des Césars. Ces prix récompensent le meilleur du cinéma de l'année. Meilleur film, meilleur scénario, etc. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau. Essayant de rester décontracté, l'heureux gagnant répond. Merci. Je suis très ému, mais aussi très surpris. Car je n'ai pas tourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que le jury vous donne cette récompense. Le cinéma est bel et bien vivant en France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. J'ai beaucoup aimé le scénario, mais pas la mise en scène. Est-ce que le film passe en VO ou en VF? David est un vrai francophile. Alors, vous avez trouvé un travail? Non, toujours pas. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. Oui, mais bon. Il ne faut pas trop se plaindre, hein, c'est encore pire ailleurs. Oui, mais quand même, dans mon temps, tout le monde travaillait. Et vous cherchez dans quoi? Ben, dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre, vous me faites signe. Ben, justement, Monsieur Bouc, il me disait que les jeunes, ils sont au chômage, mais qu'ils veulent pas travailler. Il cherche quelqu'un en ce moment. Mais c'est pas peintre. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Et je peux le trouver où? Il est au chantier, allez le voir directement là-bas. Il fait sa pause entre 12h et 2h. Au chantier, près de la gare? Oui, oui. Mais bon, vous le gardez pour vous. En tout cas, merci pour l'info. Si ça marche, je vous invite au resto. Ah bah,
Ça va faire jaser dans le quartier. Allez, bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ? Rien de spécial, je suis restée chez moi, j'ai beaucoup lu et j'ai fait un peu de rangement. Et vous ? Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari. Vous étiez où en Tunisie ? On était à Djerba pendant une semaine. C'était magnifique. Vous êtes restée tout le temps à Djerba ? Non, on a bougé un peu. On est allé dans le désert pour regarder le coucher de soleil. C'était très romantique. Et puis, comme mon mari est passionné d'histoire, on est allé visiter des vestiges romains. J'ai très envie d'y aller un jour. Ce n'est pas trop difficile pour la communication ? Non, non. Les gens sont très accueillants et dans les lieux touristiques, tout le monde parle français. Pessoal, quero agradecer a vocês aí por ter assistido mais um vídeo nosso aí. Todas as quintas-feiras nós vamos colocar conteúdos novos aqui para ajudar você mesmo. Então quero pedir a você mais uma vez aí que curte, compartilhe e deixe aí um joinha porque é muito importante para o crescimento do canal. Opa, não esquece também de acionar o sininho aí. Quando nós colocarmos conteúdos novos aqui, você será notificado. Então, bora lá e eu te aguardo aí nos próximos vídeos.